Je les prends, je les prends. Allez, tir de suppression sur la bleue là. On pousse sur la verre à gauche. Explique pourquoi on est là. Bon les petits gars, aujourd'hui on est réunis pour un truc un petit peu spécial. En gros, ce qu'on a prévu, c'est que pour cette espèce de Salty Festival numéro 1, à savoir la réunion de tous les staffs et tous les membres du campus de la Salty Academy, et ben, ce qu'on a fait, je leur ai dit, vous aimez l'airsoft? Certains ne connaissaient pas, la plupart ne connaissent pas, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va partir sur un terrain, on a été accueillis très sympathiquement. C'est très rare de toute façon que j'en parle dans mes vidéos, et c'est la première fois, je pense, qu'on fait un contenu absolument dédié et sponsorisé sur la chaîne YouTube de la Salty Academy. On va partir chez Arsenal Gun, donc qui est à Nantes, qui va nous accueillir pendant toute la journée, qui nous ont prévu des trucs absolument incroyables pour pouvoir venir jouer sur leur terrain. Donc, c'est parti. 2, 1, en avant. Forcément, après ce qu'ils ont fait à ma voiture et avec tous les bans qu'ils vous ont mis sur ma chaîne Twitch cette année, j'ai envie de leur montrer un peu qui est le patron. Aujourd'hui, pas de scénario. Ce sera un parfait entraînement. Jumper est avec moi, la progression sur ce côté ne sera que plus simple. Désolé White! Désolé les poulets! On pousse à droite? Attends, je te couvre. Pousse à droite au fond là-bas. T'y vas? Ça décale derrière le truc rose, derrière le truc rose. Ah, hein, où t'en vas? Oh là, ça sort vite là! Je pousse à droite. Jumper, tu pousses maison blanche? Je pousse maison blanche à ta gauche. Le teamplay est parfait. Regarde! Dans le bus, dans le bus! Derrière le bus! Ils ont zéro chance. Ah, dans le bus! Un monstre! Out! Putain de karma. Ouais, dans le hangar bleu, droite! Ah, si, il y a du monde, y a du monde contact là. Contact, maison bleue, hein! Chargeur! Maison verte, je push. Maison rouge. Ils sont acculés, ils ne peuvent plus rien faire. Maison rouge, 1. Ça fait 2. 2 en moins. Go, quelqu'un passe? Vas-y. Vas-y, non, vas-y, à droite, gauche, 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 fais gaffe au fond. Après avoir clear une bonne partie de l'extérieur, on va devoir taper dans le CQB. Je pousse derrière le cop. Y'a qui? Derrière le truc.
Tiens-moi. Let's go les gars! Les squads ont changé et un drapeau est intégré au milieu du centre d'entraînement. Je suis avec toi à droite, poulet! Je suis derrière toi, Kenny, t'es un monstre! Il faudrait prendre la Maison Blanche! Les gars, j'ai avec toi! Les gars, tu me cours? Kenny essaie d'achoper la Maison Rouge! Là, juste là, contact! Marie Bleue! En face! En face! Dans l'axe de l'entrée! Le drapeau est impossible à prendre. La sortie du CQB ainsi que leur hangar donne directement dessus. On se fait canarder. Ok, Kenny, Faiko, ce qu'il faut, c'est main courante à droite pour aller choper jusqu'à la Maison Rouge qui est à droite, ok, j'ai été okay. La route. T'étais un monstre, si t'arrives à prendre la Maison Rouge qui est à droite là-bas, okay. Du coup on est bon. Après. Si t'as la vue, en fait si tu les empêches de nous tirer dessus, parce que nous quand on va vouloir avancer contre la Maison Blanche là qui est au milieu devant le drapeau, il y a les mecs du rouge là. Donc tous ceux, si je suis contre la Maison Blanche, le drapeau est là, tu l'as vu? Ouais. Les mecs rouges sont en face de moi et je peux rien faire en fait. Et il faut sortir, il faut aller prendre jusqu'à la Maison Rouge à droite. Si on a la Maison Rouge à droite, on est bon. Donc Paiko plus Kenny à droite, toi la même chose, on essaie de taper en plein centre en fait. On part direct. Quelques directives plus tard, on va tenter quelque chose. Mais ça semble compliqué. Maison verte derrière la Maison Blanche du milieu. Ok, je tente un truc. Viens, vite. Quoi? Ben prends-le derrière la poche, en haut de ma poche haute, la poche haute, sors ce qu'il y a. Hein? Let's go. Bien sûr. Attention, feu. Smoke. Let's go. Prends. Out, il a touché la main. Out. Le coup de hurler smoke, vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Allez, je tente de choper le drapeau. Out! Dieu. Allez, let's go! On pousse! Derrière la palette! Out! Maison, un côté blanc! Un côté du drapeau, voilà! Qui c'est qui est couché là? Derrière la palette jaune! Ok, devine-moi! Ok! Il est out! Il est out! Je sais pas ce qu'il y a à droite là. Ouais, mais faut y aller. C'est vraiment pas simple. Et je crois que l'équipe en face est prête à tout. Fais ça. Faut aller tout droit. Mais j'en ai eu 4 là, qui couraient d'un coup. T'es monstre, go droit. Faut y aller à gauche là. Tu veux qu'on prenne le CQB? Ouais. Bah, let's go hein. Milieu, droite ou gauche, c'est toujours la même galère. Ils n'arrivent pas à choper le drapeau, comme nous. Mais plus ça va, et plus leur emprise se fait sentir. Je vais donner le tout pour le tout. Out, sorry poulet. Sur ma gauche! Trois lignes à travailler, c'est extrêmement complexe. À droite aussi! À droite! À
Il faut le sortir. Garde la ligne. Out. Fin de partie. Ils ont récupéré le drapeau. Bravo eux. Ils étaient plus forts. C'est la dernière de la journée. On change de côté. Dans les... Je les prends. Suppression sur la bleue là! On pousse sur la mer à gauche! Je m'aperçois qu'ils sont extrêmement nombreux à gauche. On pousse à gauche, main courante à gauche! Il faut tout donner. Et ça me laisse peut-être une opportunité dans le CQB. Un, deux. Nope, impossible par là. Il va falloir trouver autre chose. Ouh. Ok. Chargeur. Ouais, on y va. Let's go. Ok, attention, main courante à gauche, quelqu'un prend la ligne. Faut ouvrir à droite pour regarder à gauche. Derrière le marché de gauche. Fais gaffe là, les gars. Avec les gars du Make Me a Monster et deux autres, on va retenter de pousser à gauche. Ok. On me donne le call que pour l'instant tout semble clear à gauche. On doit être à 55% du terrain. Derrière le bus, en face de moi. Poissonnerie, elle est là. Je pousse à gauche, quelqu'un prend ma place. Je suis jaune, les mecs. Excuse-moi, poulain. On a 70% du terrain pour nous. Derrière le... Dans le même axe. Derrière le bus, devant le bus. Contre le bus. On est au moins à 85%. Ils ne peuvent plus rien faire. Contact à la poissonnerie. Bien joué, poulet. La fin est proche. Moins 2. 100%. C'est fini. Bon les petits poulets, grosse journée du coup. Vraiment je suis pas fan normalement de ce qu'on pourrait appeler un petit peu du speed soft, donc ce qui est un petit peu de l'entraînement au CQB très rapide en règle générale dans l'airsoft. C'est vrai que la plupart du temps je privilégie plutôt les trucs un petit peu plus scénarisés, etc. Donc là on est vraiment dans du scénario, mais le scénario est un scénario d'entraînement. Vraiment c'est incroyable ce qu'il a pu faire, Kevin, donc qui nous a accueillis du début à la fin à Arsenal Gun. Il a fait un travail du début à la fin qui était absolument nickel, les observateurs absolument
nickel également. Vraiment rien à dire. Du coup, très fatigué forcément parce qu'il faisait quand même, vous le pouvez le voir, ça arrive de temps en temps à Nantes, il fait beau. Il faisait à peu près 30 degrés tout au long de la journée. Donc tout le monde est un petit peu fatigué, mais je pense que c'est de la bonne fatigue. Et puis voilà. Donc merci infiniment Arsenal Golf pour l'invitation tout simplement. Et puis pour toute l'organisation qui a été absolument géniale de A à Z. Alors vous le verrez dans la vidéo, vous allez peut-être le voir au moment où je vais en parler maintenant. Tout dépendra du montage qui est fait par Jumper qui est encore en train de récupérer un petit peu de sa journée. Vous n'avez pas qu'un énorme CQB Arsenal Gun, hein. Forcément j'en fais la promo, vous savez j'aime bien les trucs gagnant-gagnant. C'est la première fois que je fais ça et là ils ont été vraiment vraiment géniaux du début à la fin. Donc forcément je suis obligé un petit peu d'en faire la promo. En l'occurrence ils ont un entrepôt avec un magasin avec un choix énorme de répliques, d'accessoires en tout genre. Et Kevin est la personne qui est attitrée au campus de la Salty Academy pour justement tout ce qui est la réalisation personnelle de mes répliques. Voilà. J'ai jamais rencontré en 12 ans d'Airsoft quelqu'un qui était aussi bon et aussi dévoué sur la partie mécanique pure et dure. Donc déjà je le remercie personnellement pour toutes les répliques qu'il prépare et dont je vous reparlerai un petit peu dans une prochaine vidéo. Et puis je le remercie aussi pour l'accueil et l'organisation de la journée. Voilà, merci infiniment. Une fois de plus, vous savez comment ça marche, l'algorithme, tout ça de YouTube. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Tchuss. Au pneu, au pneu. Au pneu, au pneu.